Bassem, Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Mesdames et messieurs, j'aimerais soulever un point avec vous hyper important. Hyper important, on ne fait pas gaffe à ça. Moi, j'aimerais m'adresser aux banlieues. Frères de banlieue, là où d'où on vient, où on a tous grandi, frères du bitume. Bon, si je ne m'adresse pas aux femmes, parce que c'est plus les hommes hein, qui sont dehors, qui traînent dehors, qui squattent au quartier, donc vous savez, on ne vous apprend rien. Et il y a un sujet très très tabou en ce moment dans les quartiers où vous en rendez pas compte, c'est le Covid-19. Bien sûr. Oui, c'est le Covid-19. Il y a énormément de jeunes, de gamins, qui ont le Covid-19, où ils ont été infectés, mais ils veulent pas le dire. Ils veulent pas le dire parce qu'ils veulent pas être rejetés du quartier, rejetés de leurs camarades. Là, attention, je parle de la maladie au quartier, dans la mentale, dans les yeux et dans la façon de penser du quartier. Rajoute à ça la non-connaissance en profondeur de cette maladie dans les quartiers. Rajoute à ça tout ce qu'on se dit, tout ce qu'on voit sur Snapchat, la merde qu'il y a, parce que Snapchat, c'est un réseau de quartier. Mélange à ça et des fois, tu te dis, mais c'est suicidaire, mais tu peux comprendre la personne qui ne veut pas le dire. Mais c'est suicidaire parce qu'il ne le dit pas. Donc finalement, il fait comme si de rien n'était. Donc il squatte au quartier, il reste avec ses potes et il les contamine. Et les potes contaminent les parents et ainsi de suite. Donc moi, je pense que à tous ces mecs-là qui ont été infectés, allez à l'hôpital, traînez plus au quartier. Si vous ne voulez pas être catalogué, inventez une histoire, faites ce que vous voulez, mais ne descendez plus au quartier, il faut faire attention à ça. Wallahi l'azim, c'est hyper important. C'est vrai que c'est très tabou chez nous, parce que vous savez, vous connaissez la mentale. Ouais, tatata, 5 ans après, les gens, ils vont t'esquiver parce que tu as attrapé le Covid il y a 5 ans. C'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Ouais, lui, il craint. Ouais, lui, je vais pas lui faire crédit, c'est un coup, il va mourir. Lui, c'est pour ça que les gens ne disent pas la maladie. J'en rigole, mais c'est dramatique, la tête de ma mère. En tout cas, c'est mon avis, on n'a pas pensé à ça. Il faut faire attention à ça. Force à nous tous. Salam alaikum, les gens.